D'abord, je vais commencer par remercier le camarade Ndiougo Wade, représentant de la centrale, représentant également le secrétaire général Modi Guiro. Remercier aussi toute la presse. Remercier et féliciter l'ensemble des routiers présents dans la salle. Mes prédécesseurs ont souligné des questions importantes. Le pourquoi l'intersyndicale veut aller en grève le 25 décembre. Il y a une raison. La raison, elle est simple. Nous subissons des tracasseries venant de la douane, venant de la police, venant de la gendarmerie. À chaque fois que nous tenons des réunions avec les commandements, police, gendarmerie, douane, la hiérarchie prononce refuser de donner. C'est insuffisant. Il faut corriger ceux qui ne font pas les choses normalement. Nous avons besoin des hommes de loi sur les routes et non des hommes de tenue. La tenue, c'est quoi? C'est le drapeau du Sénégal, à ne pas toucher, à respecter forcément. Mais l'homme de loi ne fait que ce qui est dicté par la loi. Afrique Paysage, on l'a souligné tout à l'heure. C'est des accords communautaires qui ont fait l'objet de les installations pour sauvegarder les routes. Des consignes données par l'UMOA, des consignes données par la CEDEAO. Est-ce que le Sénégal seul est membre de la CEDEAO? Est-ce que le Sénégal seul est membre de l'UMOA? Ce qui se passe au Sénégal ne se passe nulle part dans la sous-région. Comment on peut accepter payer 2000 francs pour l'entretien de ces machines? Les acteurs routiers doivent entretenir leur propre véhicule à leur charge. Mais non, donner des montants pour entretenir les machines que nous ne voulons pas leur installation au Sénégal. Les machines ne sont pas fiables. Loin d'être fiables. C'est les tracasseries partout. J'allais souligner hier, devant un maire. Mais ici au Sénégal, il n'y a pas de parking. Qui doit donner les parkings? C'est les maires. Il n'y a pas de maire qui donne des parkings. Mais c'est les maires qui font des arrêtés pour interdire le stationnement des gros porteurs. C'est vouloir une chose et son contraire. Nous sommes preneurs pour que les parkings soient payants. Oui. Allez-y en bas. Vous trouvez 7 hectares que le gouvernement du Sénégal a octroyé, un voisin de nous. Allez-y à Sandiara, il y a un maire qui a octroyé tant d'hectares à des étrangers. Mais où est le Sénégal? Les routiers du Sénégal sont oubliés. Si vous roulez, vous ne reposez pas. Vous n'avez pas le droit de stationner dans les grandes villes. Vous continuez à rouler. Si vous faites des accidents, la tort, le tort vous revient au conducteur. Un camarade l'a souligné. Le président de la République a cautionné tous ces manquements. Le président de la République, aujourd'hui, s'il voulait que tous les Sénégalais dorment à 20h, les gens vont obéir de force. S'il laisse perduler les actions anormales, c'est lui qui a cautionné.
Nous, on n'a pas affaire avec l'agriculteur, nous, on n'a pas affaire avec les maires, nous, on n'a pas affaire avec le ministre des Transports, nous, on a affaire avec le président de la République. C'est lui qui a cautionné tous ces manquements, parce que c'est lui le président de la République. Avant 2012, on n'osait pas dire que c'est lui, mais il est le président actuellement du Sénégal. Tout manquement, il est responsable. Nous sommes des sénégalistes. Nous faisons appel à tous les routiers pour que la grève du 25 soit respectée. C'est le jour de notre indépendance, c'est la période de notre indépendance. Nous avons le droit à réclamer cette indépendance. Et nous le ferons aussi. Nous avons besoin d'un pays stable, un pays contrôlé. Les acteurs routiers ne disent pas qu'ils refusent d'être contrôlés. Un pays sans contrôle, c'est du n'importe comment. Nous sommes pour le contrôle, mais un contrôle avec un grand C. Contrôle pour le pays, mais pas pour contrôle pour lui-même. On a assez avec les attestations. À l'époque, avec Abdou Diouf, on a tenu une réunion jusqu'à avoir obtention gain de cause pour que les attestations soient abolies sur la route, pour que les reçus viennent. Et que ces reçus, vous coupez un reçu, une infraction égale, ça va te permettre de rouler jusqu'à 24 heures. Si l'infraction est réparée, tant mieux. Si l'infraction n'est pas réparée, l'infraction est toujours là. Vous serez collé encore une autre infraction. Mais pourquoi maintenant les autorités ne disent rien du tout? Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous réclamons ce qu'on doit réclamer. Nous ne sommes pas des saboteurs. Mais nous sommes des réclameurs. Nous sommes des demandeurs. La Constitution du Sénégal, il y a un point qu'on a mis revendication, qu'on a mis grève. Donc nous respectons les lois et les règles du pays. De toute façon, le 25, tous les gros porteurs du Sénégal seront à l'arrêt. Les déclarations des syndicats, n'est-ce pas, affiliés à dans trois centrales syndicales que sont l'UNSAS, la CNTS et la CNTS FC. Je pense qu'ils ont averti pour une grève prévue le 25 décembre. Les points essentiels de leur revendication, n'est-ce pas, c'est juste quatre points, à mon avis, qui ne sont pas difficiles à prendre en charge. Mais il faut que le dialogue puisse s'instaurer. Je pense que le ministre avait demandé un mois pour pouvoir donc appeler les syndicats et discuter. Je pense que le mois s'est déroulé, il n'a pas réagi. Je pense, en tout cas, nous, du côté des centrales syndicales, nous parlons au nom des centrales syndicales, n'est-ce pas, CNTS, CNTS FC et UNSAS. Nous demandons au ministre de respecter sa parole et de convoquer les syndicats qui sont dans le secteur pour discuter des points de revendication. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, ils ont parlé de 35 tonnes. Si on dépasse 35 tonnes, il y a une amende. Maintenant, ils payent l'amende même sans dépasser 35 tonnes. Je pense que finalement, ça, comme ils l'ont dit, c'est du vol. Parce que je pense qu'il faut respecter au moins le quota qu'ils ont prévu, qui est de 35 tonnes. Ensuite, les sabots partout. Mais vous savez, les sabots, même les particuliers, ils ont des problèmes de sabots. Oui, vraiment. Quand vous allez à Dakar tout de suite, vous risquez de ne pas vous garer à cause des sabots. Donc là également, je pense qu'il y a lieu de prendre des mesures par rapport à tous les citoyens du Sénégal. N'est-ce pas? Et le dernier point, c'est quoi? Les postes de contrôle. Là où les syndicats demandent la diminution, le ministre augmente les postes de contrôle. Donc je pense que ça, c'est même de la provocation. Et nous demandons à ce que le ministre, n'est-ce pas, pour éviter une grève inutile qui sera au détriment des populations, de reconvoquer les syndicats et d'engager le dialogue par rapport aux points qui sont posés et qui sont des revendications justes et légitimes. Voilà, en tout cas, c'est ça la déclaration que nous voulons faire au nom de la CNTS. Nous vous remercions de votre participation et remercions les journalistes de votre couverture de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci.